Oui, profondeur, c'est parti. Monsieur l'abbé José Poundou, bonsoir et bonjour. Maître Justin Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Vous n'êtes monsieur. pas devenu prêtre parce que vous n'êtes pas en clergymen, mais c'est une chemise à la mode. Cette phrase dont nous avons changé la formulation est de Axelle Kabou. C'est une femme qui est née au Cameroun en 1955, mais elle est franco-sénégalaise, qui a écrit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Alors, puisque nous sommes au Congo, disons « Et si le Congo refusait ?» Le Congo refuse-t-il le développement? La réponse, vous l'aurez dans un petit instant. Et je vais donner la parole tout de suite d'abord à Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, en nous posant cette question, vous vous répondriez dans un premier temps par l'affirmative ou bien par la négative. Est-ce que le Congo refuse le développement? En quelque sorte, oui. Je dis en quelque sorte, lorsque j'observe le comportement des Congolais, de la tête aux pieds, du sommet à la base, lorsque j'observe le comportement, notre comportement à nous Congolais, je suis tenté de dire que oui, le Congo refuse le développement. Et ici, j'apporte tout de suite une précision. Il ne s'agit pas nécessairement du développement économique. Parce qu'on a tendance, lorsqu'on parle du développement, de ne voir que l'aspect économique. Hein? Croissance économique, on voit croissance matérielle, on voit hein, le bien-être matériel et tout. Mais je prends ici le terme développement dans son sens plus global, tel que le pape Paul VI l'a exprimé. Il s'agit du développement de l'homme et de tout l'homme et de tous les hommes. Donc voilà les trois aspects. Hein. Le développement de l'homme, dans tous ses aspects, bien entendu, de tout l'homme, donc aspect psychologique, aspect physique, aspect social, aspect culturel, et de tous les hommes, et donc de la collectivité humaine. Merci. Voilà un peu le point de départ. D'accord. Et à cet égard-là, je dirais que l'homme congolais ne donne pas l'impression qu'il veut Le se développement. développer. Maître Magala, vous Monsieur diriez la même chose? l'abbé, pratiquement, Monsieur l'abbé a raison en le disant, parce que pour être plus pragmatique, on se poserait aujourd'hui la question, quel est le secteur qui marche? Aucun. Aucun secteur ne marche. C'est-à-dire que, or, le développement ne peut venir que de la volonté. Un homme non éduqué ne peut pas se développer. Déjà, la conception que nous avons du développement, que nous avons de l'homme, quand on regarde déjà l'éducation qu'il a, ça pose problème. Quand on regarde l'évolution, l'organisation de l'État, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des hommes politiques, par exemple, qui vous disent qu'ils ne feront jamais l'opposition. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun idéal. Eux, c'est être au pouvoir ou rien. Quel que soit le régime qui viendrait, il doit être au pouvoir. Ça pose problème. L'éducation, nous avons aujourd'hui du matériel servant à l'éducation qui date des années 48. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que nous, on en est encore à mon ami Noé, à... Oui, c'est-à-dire que même le concepteur a déjà oublié l'étape. Regardez sur le plan économique, parce qu'on doit en parler. Un pays ne se développe pas par des grosses entreprises, c'est par la petite et moyenne entreprise. Regardez ce que nous en faisons. Vous pouvez imaginer que un grand pays comme la RDC a 600 000 entreprises, PME, seulement. Seulement. Et on en paye les prix parce qu'on se retrouve avec un État qui est le principal employeur. Et c'est là que le problème commence. Quand l'État est le principal employeur dans un, ça ne peut pas marcher.
Donc, quand vous vous voyez sur le plan spirituel, qui sommes-nous? Donc, c'est vrai. Moi, j'appuie totalement ce que... Cette assertion. Oui. Moi, je partirai du principe simple. Je ne suis pas en train d'accuser les autres. Si entre les États, on dit qu'il n'y a que des intérêts, ceux qui nous entourent, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie, patati patata, qui en ce moment sont en train de tirer la meilleure partie ou le meilleur parti de l'Afrique, est-ce qu'ils accepteront que nous nous développions? Ça, c'est eux. La réponse est non. Parce que déjà, ça les arrange que nous soyons dans l'état dans lequel nous sommes. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, pour nous sortir de cet état qui n'arrange que les autres? Voilà là où se trouve le problème. Monsieur Labbé, à moins que vous puissiez me contredire un peu. Je ne te contredirai pas, au contraire. Je vais appuyer ce que tu viens de dire en me posant une question à laquelle je réponds en même temps. Si entre les États, il n'y a que les intérêts, ceux que tu viens d'évoquer, de citer, les Américains, les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, les Français, les Belges, et tout ce monde-là qui viennent ici pour se servir, n'est-ce pas? Ils viennent pour leurs intérêts. Ils ont conscience de leurs intérêts. Ils travaillent pour leurs intérêts. Tu verras que le Libanais qui travaille ici, eh bien, l'argent qu'il produit ici, il n'investit pas ça ici, il investit dans son pays. Il investit dans son pays, n'est-ce pas? Et alors, le vrai problème, c'est que où est la conscience du Congolais par rapport à ses intérêts? Où sont nos intérêts? Intérêts communs, collectifs. Il ne s'agit pas d'intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à l'intérêt personnel, eh bien, c'est le grand développement. Tu verras quelqu'un du jour au lendemain, parce qu'il occupe une fonction qui rapporte, et dans laquelle il peut se servir, eh bien, tu le verras construire un immeuble de 6 étages, de 10 étages, qui pousse comme un champignon, n'est-ce pas? Intérêt personnel. Rien à voir avec l'intérêt du pays. Mmh. Vous voyez? Ou alors, s'il ne construit pas ça ici, il va les construire ailleurs. Mmh. N'est-ce pas? Eh bien, ça montre que le problème, c'est le problème des intérêts et les intérêts communs. Où sont les intérêts communs des Congolais? D'accord. Sommes-nous conscients de nos intérêts et sommes-nous organisés pour les défendre? Pour les défendre. Alors, Monsieur l'Abbé, merci. Je pose la question à Maître Magala. Bon, si les autres qui viennent ici se développent, c'est parce qu'ils ont des gens qui les appuient. Ils ont les banques chez eux. Et nous nous contentons des banques qui... Il n'y a aucune banque congolaise. Moi, j'ai poussé la réflexion plus loin pour dire... Est-ce qu'on ne peut pas amnistier ceux qui ont pris de l'argent avec beaucoup de légèreté, qui sont congolais, qui sont à l'extérieur, qu'on leur pardonne leurs péchés, amnistie générale, pour qu'ils reviennent et qu'ils nous construisent des banques pour essayer de nous développer? Est-ce que c'est une utopie? Bon, ce n'est pas une utopie, mais il faut qu'on définisse d'abord ce qu'on veut faire. Parce que comme vous disiez tantôt, les banques que nous avons aujourd'hui sont toutes des banques commerciales. Mmh. C'est-à-dire des gens qui viennent faire de l'argent sur nos possessions. Mmh. On n'a aucune banque de développement. Mmh. Et aussi longtemps que ça sera le cas, ça ne marchera jamais. Parce que, prenez l'exemple, pour travailler dans n'importe quel secteur, vous avez besoin d'argent. Vous approchez une banque, vous dites, bon, je prends un crédit de 100 000 $. Mais c'est le mois qui suit qu'on commence à vous demander de payer avec intérêt. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que vous n'avez même pas encore commencé à investir. On vous demande déjà de payer avec intérêt. C'est ça le banque que nous avons. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser nous-mêmes?
sur le plan conceptuel, de dire que nous avons besoin de telle et telle banque, ne peut exercer ici, à partir d'aujourd'hui, que telle et telle, telle... Banque de développement. Des banques de crédit de développement, des banques comme la BCA, qu'on avait, la banque de crédit agricole. Vous venez investir dans l'agriculture, on dit, bon, on commence à vous... Vous commencez à rembourser dans 10 ans. Et à quel taux? À quel taux? Parce que vous avez eu... On a des taux prohibitifs. Vous avez des intérêts de 15%, 18%. Ça ne peut pas marcher. Parce que c'est vraiment travailler pour ceux qui ne veulent pas qu'on se développe. C'est ça. C'est-à-dire que nous avons des banques dont le seul but, c'est de brasser l'argent produit ici, mais pas pour le faire fructifier, non. C'est vraiment pour qu'eux prennent le beurre et l'argent du beurre. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait avec un crédit qu'on commence à rembourser le mois qui suit? Rien. Or, le développement, c'est justement commencer par des secteurs comme l'agriculture. Et ça vous demande, si vous devez faire du café, ça va commencer à produire 5 ans après. Donc, si vous voulez investir dans le café et que vous commencez à rembourser le mois qui suit, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Deux, nous devons travailler sur l'éducation. Pour que nous nous projections sur les gens des sociétés que nous voulons faire. À quand date la dernière organisation des états généraux d'enseignement? C'est ça des preuves qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On refuse vraiment de se développer. Comment voulez-vous qu'un garçon qui est en troisième primaire connaisse Charlemagne, mais ne connaisse pas Kimpavita? Voilà. Il y a un problème. Deux, quel est le modèle? Il faut qu'on ait des aînés qui nous servent de modèle. Mais il n'y a pas. Si on vous demande aujourd'hui, bon... Il n'y a pas, on n'a pas de modèle. Donc les gens, ils évoluent... Comme disait quelqu'un, ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Or, ça ne peut pas être ça. Un homme sans vision ne peut pas se développer. On doit avoir une vision, on dit, moi, je veux être tel. Et pour être tel, je vais utiliser tel moyen. C'est la vision qui définit l'objectif. Or, si on n'a pas de vision, ça ne peut pas marcher. Nous voulons être quoi? Rien du tout, monsieur l'abbé. Nous voulons être qui? Nous voulons être qui? Ça, c'est la grande question. On a eu l'occasion, lors de certaines émissions précédentes, hein, de nous poser cette question. Hein, Congolais, qui suis-je? Congolais, qui es-tu? Oui. Africain, qui es-tu? N'est-ce pas? Quel type d'homme tu es? Parce qu'il s'agit du développement de l'homme. Oui. Et la réponse, monsieur l'abbé, c'est que nous sommes passifs, nous observons la marche du monde dans la passivité en attendant de consommer ce que produisent les autres, même les innovations. Nous sommes dans la passivité la plus totale et en étant dans cette passivité la plus totale, on ne se développera jamais. Mais comment voulez-vous, mon cher ami Jean-Pierre, comment voulez-vous que nous ne soyons pas dans cette passivité, dans cette non-productivité? Comment voulez-vous qu'on n'y soit pas lorsque le système d'enseignement ne nous forme pas à la production, nous forme à la consommation? J'ai eu un échange très fructueux, très fort, disons, avec des confrères qui sont nommés pour aller étudier à l'université. Eh bien, je leur disais, il y a 2 jours, là, je dis, mais nous devons aujourd'hui apprendre à produire la science, à produire les idées, à produire les techniques, les technologies, à produire. Mais notre système d'enseignement est tel que nous apprenons à consommer. Nous consommons. Et tu veux faire un travail, eh bien, tu dois aller consommer, prendre tel auteur qui vient de je ne sais quel pays, de la France, de telle époque, n'est-ce pas? Et tu vas travailler sur cet auteur-là, parce que c'est comme ça, c'est ça la science, n'est-ce pas? Mais on ne te demande pas de produire tes idées. Tu vas faire un mémoire, tu vas faire une thèse de 1000 pages. Allez, j'exagère, mais c'est pour donner un peu... Absolument. Donc, c'est 1000 pages, c'est plein de citations de tel, de tel, de tel. Mais où est ta propre pensée?
Où est la pensée que tu as produite? Et cette pensée que tu as produite, elle va servir à quoi? Pour quel type de développement de notre société? Oui, est-ce que vous avez observé votre société? Voilà. Est-ce que vous l'avez étudiée? Est-ce que ce que vous donnez comme réponse correspond aux aspirations des autres que vous voyez, avec lesquels vous vivez? Eh bien, c'est non. Et dans ce pays, nous sommes d'une passivité telle. Je vais vous donner un exemple. À un moment, nos amis libanais nous disaient, non, les 1 dollar, ça ne se consomme pas. Si vous venez avec 1 dollar, on va vous donner moins que 1 dollar. 1 dollar un peu déchiré, et nous acceptons. Alors qu'eux font le plein de ces dollars et vont les échanger. Moi, j'ai fait une expérience, les dollars qui étaient un peu déchirés et tout ça, les 1 dollar, je suis allé sur la place de Paris, eh bien, c'était consommé. Comment est-ce qu'on peut nous faire accepter des choses comme ça? Et nous sommes passifs, hein? Oui, monsieur le Libanais, d'accord, on ne consomme pas le dollar. On ne peut pas nous mentir jusque-là, c'est de l'enfantillage. Maître, dites quelque chose. Mais il n'y a pas que dans ce secteur-là, c'est dans tous les secteurs. Je vous donne un exemple d'actualité. Le ministre du Commerce extérieur, il a pris des mesures de sauvegarde pour l'industrie brassicole nationale. Il dit, bon, tel produit venant du sud de la République, ça ne va pas entrer pendant un certain temps pour nous permettre justement d'écouler nos produits. Les Congolais ont marché contre. Ils disent, non, nous aussi. Si ça n'entre pas, nous allons brûler. Mais comment on vous permet de vous enrichir? C'est pour que vous vous développiez. Donc on préfère qu'on vienne avec des produits qui viennent de l'extérieur, qui soient consommés, et que nos produits locaux puissent se chômer. Oui, donc des cueilleurs. On a une grande brasserie ici, qui était dans le Congo central, qui a fermé les portes, parce que on avait les gens préféraient les produits brassicoles qui venaient d'un pays voisin. Il y a un problème. Nous ne voulons pas. Comment nous allons nous développer si nous refusons de produire à ce niveau-là? Comment nous allons nous développer? Prenez l'exemple de... Je prends un exemple concret. Il y a presque 15 ans qu'on a créé Transco. Je crois, si je ne me trompe pas sur la date. On payait 500 francs. Aujourd'hui, Transco, c'est 500 francs. On continue à payer 500 francs. Alors regardez, que la monnaie a pris les niveaux de la dévaluation. Donc, c'est une société appelée à disparaître. Parce qu'une société qui ne sait pas se prendre en charge, c'est faux de penser qu'on fait pour le social. Parce que finalement, tout le monde prend la moto, et sur la moto, il paye 4000. Il paye 2500. Pour les mêmes courses, ou même la moitié de la course que fait Transco. C'est-à-dire que c'est enterré, Transco. Aussi longtemps qu'on dira Transco ne peut fonctionner que sur base des subsides de l'État, ça ne va pas marcher. Appliquons la réalité du prix. Parce que finalement, tout le monde est sur la moto et il paye plus que Transco. Les gens là qu'on prétend sécuriser. Il n'y a pas que dans ce secteur-là. Vous regardez dans le secteur des petites et moyennes entreprises. On a créé l'autorité de régulation de la sous-traitance. On a dit, bon, on va travailler sur les ruissellements de richesses. Désormais, toutes les grandes entreprises sont obligés de sous-traiter les activités connexes pour permettre aux PME de se retrouver. Oui. Et les sous-traitants doivent être des sociétés à majorité de capital congolais. Le lendemain, tous les Congolais sont devenus des prête-noms. Des prête-noms des étrangers. Donc finalement, c'est l'égoïsme dont parlait Monsieur Labbé. C'est-à-dire que si moi je me retrouve et ils sont payés des 500 dollars pour prêter leur nom et prétendre que c'est une société à majorité de capital congolais, on fait souffrir qui? Nous nous auto-flagellons, mais ce n'est pas possible. J'espère que jusqu'à ce niveau-là, on vous a fait comprendre un petit peu. Nous allons continuer. C'est pas possible. C'est nous qui refusons le développement. Moi, je vois, je ne vais pas citer les magasins dans lesquels je vais d'ailleurs m'approvisionner, qui sont partout, qui sont
Mais derrière ces sociétés qui sont étrangères, il y a des Congolais qui se contentent des miettes. Même si c'est 1 million à la fin de l'année. Mais 1 million pour vous-même. Alors que c'est la collectivité qui attend de vous des bienfaits. Cet égoïsme-là va nous tuer. Et même ces entreprises-là, un jour viendra où la colère va faire en sorte que vous n'aurez plus rien, monsieur l'abbé. Ben, nous avons vécu cela avec le pillage. Les deux pillages que nous avons connus à l'époque de la fin du règne de Mobutu. Ces pillages ont montré qu'à un moment donné, eh bien, le peuple peut se mettre en colère et détruire. Il détruit. Je me rappelle, j'ai fait le tour ce jour du pillage, là, en septembre, je crois, 92, ou 91. Eh bien, j'étais à Kinshasa, à Saint-Paul, eh bien, je me suis dit, je sors, je vais faire le tour à pied pour vivre le pillage, n'est-ce pas? Et je rencontrais les gens qui s'amenaient avec des boîtes de lait, tout simplement, hein, et qui disaient tout a fini maintenant le thé rouge. Je vais maintenant prendre le thé comme eux, avec du lait. Mais combien de cartons? Ah ben, il a juste une boîte, une grande boîte de lait, et il se réjouissait que maintenant je vais prendre du thé comme eux. C'est-à-dire, quelque part, à un moment donné, le peuple exprime son ras-le-bol et il détruit tout sur son passage, n'est-ce pas? Et je crois que le grand problème, lorsque nous évoquons cette histoire de développement, le refus du développement, le grand problème, comme je l'ai dit un peu au début, c'est l'absence du sens du bien commun. Le bien commun a disparu dans notre société. Il n'y a que le bien personnel. Et aujourd'hui, on nous dit, le pays est pauvre, alors on doit aller chercher l'argent, n'est-ce pas, au Fonds monétaire, on doit aller chercher l'argent à la Banque mondiale, et tu verras, dans presque tous nos ministères, il y a, une Banque mondiale qui est présente, il y a un Fonds monétaire qui est présent, n'est-ce pas? Et on travaille avec des projets, un projet financé par la Banque mondiale, un projet avec des prêts du Fonds monétaire, n'est-ce pas? Eh bien, quand on voit tout cela, et qu'on voit par ailleurs les mêmes Congolais qui sont dans ces fonctions-là, où ils vont chercher l'argent à la Banque mondiale, ils vont chercher l'argent au Fonds monétaire, ces mêmes Congolais, eh bien, en 2 mois, en 3 mois, en 6 mois, il a construit, n'est-ce pas, immeuble de 5, 6, 10 étages, n'est-ce pas? D'où vient cet argent? D'où vient cet argent? Avec cet argent, on peut faire autre chose. On peut faire autre chose. On peut construire des écoles, on peut construire, arranger les routes, on peut construire des hôpitaux, on peut construire... Des écoles. J'ai dit des écoles. Oui. Et des écoles professionnelles, où les enfants apprennent à créer, n'est-ce pas, à fabriquer. Eh bien, non, on préfère s'enrichir tout seul. Ça, c'est dangereux. Et lorsque on s'enrichit tout seul, eh bien, on veut paraître, on cherche à paraître comme les bienfaiteurs, n'est-ce pas? Alors que ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays. On ne développe pas un pays en disant, eh bien, le député là qui touche autant de milliers de dollars, il le touche parce qu'il doit aller régler les problèmes de loyer, de deuil, de mariage, de ceci et de cela, et des frais scolaires ou académiques, n'est-ce pas? Il doit régler tous ces problèmes-là, mais donner à chacun la possibilité de régler les problèmes avec un salaire, un travail salarié convenable, ou un travail, même s'il n'est pas un travail salarié, mais un travail productif. Un travail productif qui te permet d'être à l'abri du besoin, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème de sens du bien commun. Et puis, il y a autre chose, monsieur l'abbé, c'est que la population me donne l'impression, oui, Prezo, ah non,
Ah non, il faut refuser des comportements de cette nature, parce qu'il faut changer les choses. Il ne faut pas se contenter du peu. Consommer seulement ce qui vient de... J'en ai parlé tout à l'heure, les innovations. Mais qu'on innove sur le plan intérieur et que les autorités puissent jeter un coup d'œil sur ces innovations, et c'est ça qui créera des emplois pour les Congolais. Moi je vois un grand magasin que je fréquente de temps en temps. Quand vous allez derrière, eh bien, il y a un expatrié qui est là pour voir comment vous chargez, parce que il estime que vous risquez de prendre, vous risquez de voler. Oui, mais si on vous met dans des pareilles conditions, vous continuerez à voler. Il est temps que nous nous mettions en tête que nous devons, à l'instar de nos autres amis, construire les mêmes magasins pour essayer de donner du travail à nos concitoyens, de les bien payer. Et j'ai oublié une chose, pas confier son magasin à son frère, former des gens pour venir les gérer correctement. Nous devons aller jusque-là, pas seulement les magasins des amis. On ne refuse pas les amis. Mais où sont les nôtres? Pourquoi nous sommes passifs? Et c'est nous qui allons acheter. Ah, Maître Magala. Justement, c'est nous qui allons acheter, mais je reviens sur le problème de conception. Vous savez, je crois qu'on doit être un des seuls pays qui a pris une institution comme UPEN et en faire une université. Mais qui va former les gens qui vont enseigner? Si maintenant on veut qu'on fasse aussi des gestionnaires et des chercheurs à l'UPEN, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'institution pour former les enseignants. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis une clé sur la formation. Et les gens agissent comme ça par ignorance. Les gens ne savent pas que c'est mauvais. C'est-à-dire, c'est resté dans la mentalité. Monsieur l'avait parlé de pillage tantôt. Oui, mais c'est après les pillages, notamment, qu'on a vu se développer ce genre de travail d'expédient où quelqu'un se réveille le matin, il prend un tabouret, il est au coin de rue, il commence à vendre l'argent. Donc, quand on dit, vous avez un projet, non, ça sera comme ça. Ailleurs, pourquoi on leur exige de ne pas être des cambistes des rues? C'est pour que, en travaillant en ordre avec la Banque centrale, on finisse par faire une institution de microfinance. Parce qu'on est encadré. Mais si on ne veut pas comprendre ça, mais on va comprendre comment si on n'est pas formé pour. Il faut que quelqu'un nous explique, on doit l'apprendre. Vous savez, la première cure de soins d'une petite moyenne entreprise, c'est la capacitation. Si les gens ne sont pas formés pour savoir ce qu'ils doivent faire, ça ne sert à rien. Gérer. Oui. Mais qui va nous apprendre à gérer parce que nous cherchons une université. Pourquoi faire? Parce qu'elle était bien comme elle était là, pour former des... Premier problème. Deuxième problème. Si nous nous mettons à travailler en désordre, comme on le fait, et l'État est le principal employeur, où les gens arrivent au bureau à 10h et à 14h ils partent. Ils ont des ordinateurs, ils jouent aux cartes. Personne ne sait. Vous allez les évaluer comment? Tous sont chez l'État. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent, du peu d'argent qu'on gagne chez l'État? Ou même dans des... C'est là que commence la paresse. On ne peut pas vivre éternellement salarié. On ne peut pas se développer comme ça. C'est-à-dire que vous êtes à un mois de la pauvreté. Vous devez, avec le peu que vous gagnez, avoir une économie qui vous permet de commencer une autre activité pour que vous ne soyez pas dépendant toute votre vie du salaire de l'État. On dira qu'on gagne combien? On gagne 80 $, on gagne... Oui, on peut même gagner moins. Si on se dit, ok, je gagne 80... Quel que soit ce qui va arriver, je vais mettre 5000 francs de côté pour commencer une plate-bande où je mettrai les légumes. Ce n'est pas de la mer à boire. Au moins, vous savez que chaque jour, les 10 000 francs
pour les légumes seront épargnés parce que j'ai ma plate-bande. Mm-hmm. C'est ça l'idée de développement. Vous êtes autonome. Mm-hmm. Vous ne dépendez pas du petit salaire de l'État. On doit commencer par ça. Savoir que... Vous savez, je vais vous donner un triste constat. Tous les immeubles que vous voyez, les immeubles commerciaux surtout, des étrangers, ils sont faits avec les facilitations de la NAPI. Parce que les gens viennent, ils prennent un avocat, ils disent comment je fais pour investir dans ce secteur. Mais si on a 100 projets de sociétés d'étrangers, on n'en a pas 5 des projets congolais. Pourquoi? Parce qu'on on y pense pas. Les gens vous disent, dès que vous direz, mais pourquoi vous n'allez pas à la NAPI? Non, ça ne marche pas là-bas. Mais qui vous a dit que ça ne marchait pas? Parce que les autres, quand ils le font, ça marche. On va vous dire que non, vous savez, en RDC, les affaires ne marchent pas. Mais comment les autres prospèrent? Mais là aussi, il y a un problème. Peut-être que ça ne marche pas pour nous, ça marche pour les autres. Oui, mais corruption. Ceux qui ont essayé, ça a marché. Les peurs de ceux qui ont essayé, ça a marché. Mais essayez, commencez d'abord. Vous ne pouvez pas dire que ça ne marche pas aussi longtemps que vous n'avez pas essayé. Parce que quelqu'un m'a dit, et puis on ne peut pas entreprendre par mimétisme. Ce n'est pas parce que je suis voisin de M. Labbé qui a une petite boulangerie traditionnelle, mm-hmm. que moi, et ça marche, que je vais aussi faire la boulangerie. Parce que finalement, on va se retrouver avec toute une avenue, on fait la même chose. Et c'est ce qui se passe. Conséquence, ça périclite, parce que vous avez maintenant l'offre qui dépasse la demande. Mm-hmm. Pour entreprendre, il faut étudier les marchés. Vous dites, moi je suis appelé à quoi? C'est ça le problème. Je suis appelé à quoi? On ne peut pas dire, on va étudier. Tu vas faire quoi? Ah, Natanga kaka. Nazwa diplôme. Oui, mais tu étudies en fonction de quoi? Quoi? Quelle est la vision que tu as de toi? Quelles sont les capacités que tu sens? Mm-hmm. Vous savez, quelqu'un peut naître, il dit, moi, c'est la musique. Mm-hmm. Mais alors, fais-le bien. Mm-hmm. Il dit, moi, c'est mécanicien. Fais-en un projet sérieux. Ce que vous dites est important parce que, monsieur Lavie, je vais vous donner la parole tout de suite, ce mimétisme-là nous tue. Vous savez, aujourd'hui, il faut que je vous dise la vérité, à l'époque, il y avait 5 télévisions. Et je peux vous dire, je travaillais chez un collègue, Feu Ngongo, mais il y avait de l'argent. Les gens étaient payés correctement. Aujourd'hui, nous avons 200 télévisions parce que les gens... Ce sont, non, je vais faire comme tel, je vais faire comme Kibambi, mais moi, toute ma vie, je n'ai fait que ça. Je n'ai étudié que ça. Vous venez me suivre, et puis, le peu de clients qu'il y avait, à l'époque, on exigeait, hein, une minute coûtait, avait son coût. Aujourd'hui, vous pouvez amener un produit, moi, je vous demande 2 000 $, eh bien, le voisin demande 50 dollars. Bon, on donne au voisin. Mais nous sommes en train de nous appauvrir. Nous sommes en train de nous appauvrir en applaudissant cela. Ben, il y a un sérieux problème. Tout à l'heure, on parlait de ces magasins, de ce commerce qui se développe ici chez nous. Mais entrer dans ces grandes surfaces que nous avons et observer ce qu'on vend dans ces grandes surfaces. Et combien de produits viennent de notre pays? Combien de produits de notre pays? Alors, nous sommes tellement dans le mimétisme, dans le copier-coller, n'est-ce pas? Nous sommes tellement dans une civilisation, je dirais, de reproduction de ce que les autres nous imposent, hein, consommant ce qui vient d'ailleurs. Et nous voulons, nous assimiler à tout point de vue, hein, à tous égards, n'est-ce pas, hein, assimiler aux autres, n'est-ce pas? Eh bien, tu entres dans un grand marché, un supermarché, n'est-ce pas? Observe ce que tu vois là et ce que tu vas acheter. Made in où? C'est toujours ailleurs. Quelque part. Quelque part ailleurs, n'est-ce pas? Quand est-ce que nous allons pouvoir consommer
ce que nous produisons. Tout à l'heure, Maître Magala a donné l'exemple de la personne qui a 80 dollars ou bon, 50 dollars ou même moins, n'est-ce pas, et qui dit je mets 5 000 francs à côté ou je mets 5 dollars à côté pour créer une plate-bande. Et les légumes que je vais consommer ne seront pas les légumes venus d'eux, mais ce sera des légumes produits chez moi. N'est-ce pas? Et ça peut aller plus loin. Hein? Les œufs, hein? La viande, hein? Bon, tout cela, nous pouvons produire. Hein? Il y a eu, à une époque, ici à Kinshasa en tout cas, un projet qu'on a appelé Jardin et élevage parcellaire, hein? JEP. Mm-hmm. Eh bien, ce projet-là, malheureusement, n'a pas fait long feu. Alors que ce projet incitait les Congolais, les Kinois en particulier, à consommer ce qu'ils produisaient chez eux. Mmh. Mais comment est-ce que tu vas produire chez toi lorsque la petite parcelle que tu occupes, on a morcelé, hein, et parce que ils veulent construire des immeubles, n'est-ce pas? Et ils morcellent, et vous n'avez plus d'espace, vous n'avez plus de terre, n'est-ce pas? Vous n'avez plus de terre pour produire ce que vous devez consommer, n'est-ce pas? Mais c'est là que nous avons un sérieux problème de mimétisme, hein, de copier-coller, hein, et ça c'est mental. Il faut changer. J'ai dit tout à l'heure, c'est mental. Hein, déjà au niveau de l'école, au niveau de l'université, n'est-ce pas? On te demande pas de produire tes idées. On te demande la capacité que tu as de comprendre les idées des autres, hein, de présenter les idées de Karl Marx, de Jasper, de celui-ci ou de celui-là, n'est-ce pas? Et je disais, mais par exemple, plutôt que d'aller chercher les idées, hein, en Europe ou en Amérique, hein, ou je ne sais pas où, mais cherchons les idées au Congo. Au Congo, il y a des gens qui ont travaillé. Il y a eu des philosophes. Il y a Monsieur l'abbé Tshamalenga, mm-hmm. hein, Marcel, paix à son âme. Hein, Monsieur l'abbé Tshamalenga a produit une philosophie bantou congolaise. Il a parlé de la bissoïté. Hein, qui connaît ce concept de bissoïté? Bissoïté, ça veut dire bissot. Donc, le concept de nous, de la communauté, n'est-ce pas? Bissot, la bissoïté. Hein? Eh bien, combien ont travaillé sur ce concept-là que le professeur Abbé Tshamalenga a produit? Hein? Combien? Hein? On préfère travailler sur d'autres auteurs. Baudelaire, que j'aime bien. Français, ou Ronsard. Ou je ne sais pas trop qui. Hein. Et c'est l'occasion ici de féliciter quand même le ministre de la Recherche, le ministre Kabanda, qui a réuni des savants congolais, oui. des gens qui ont démontré que si on les leur. Inventeurs. Si on leur. On regardait de leur côté, qu'on les appuyait, eh bien ce monde serait transformé. Et ce qu'ils ont produit pourrait être exporté. Mm-hmm. Il n'y a que, comment on appelle ça, le capital humain qu'il faut soigner pour que ce capital humain, capital social, capital intellectuel puisse produire. Et nous félicitons le professeur Kabanda. Et d'ailleurs, le président de la République a promis qu'il mettrait à la disposition de la science un peu d'argent pour ça. Mais je vais abonder dans le même sens. Mm-hmm. Vous avez cité le professeur Kabanda. J'apprécie, je l'ai rencontré, on a parlé de cela. Mais j'ai évoqué, par exemple, un inventeur congolais qui est aux États-Unis, à Boston, un grand professeur qui a fabriqué le téléphone au Capi. Les téléphones mais portables, on n'en parle plus. Hein. Au Capi, des portables, hein, des ordinateurs portables au Capi, hein, des tablettes au Capi, hein, des chargeurs, hein, de téléphones, comment on appelle, on en a parlé un moment. Au Capi, n'est-ce pas? Eh bien, qui favorise ce professeur Jean Bellé, pour ne pas le citer, n'est-ce pas? Qui favorise Jean Bellé pour qu'il puisse créer une usine
ici dans notre pays, comme nous sommes en train de critiquer le Rwanda, nous prenons le Rwanda comme le bouc émissaire, non? Celui qui nous empêche de nous développer, celui qui nous tue, celui qui fait ceci, celui qui nous fait cela. Bien, je ne discute pas là-dessus, mais je me dis, le Rwanda crée des usines, crée on fabrique des téléphones chez eux, n'est-ce pas? Mais nous avons un compatriote, Jean Bélé, professeur d'université, est reconnu. On l'a appelé en Angola par le président angolais pour qu'il aille apporter son savoir-faire là-bas. Mais quand est-ce qu'on va l'appeler ici, non, chez nous, pour qu'il puisse créer une usine de fabrication de téléphones et que plus jamais nous n'achetions des téléphones techno fabriqués je ne sais où, ou des téléphones je ne sais pas lesquels. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais, malheureusement. Voilà. Commençons à nous aimer. Voilà. Commençons à nous aimer. Voilà. L'humanité du Congolais. Voilà. Il fait quelque chose à pression. Voilà. Il y a Saliboyebo, il y a Kanisi Azanani. Mais Azanani, mais appréciez d'abord ce qu'il fait. Et c'est comme ça que nous allons nous développer. Et pas autrement. En allant prendre de vacances en Europe, c'est très très bien. Moi, je ne vais plus en Europe. Je vais en Asie. C'est la même chose, ce n'est pas bon. Mais nous avons un pays où on peut aller chez mon frère Magala. En vacances à Bukavu, à Goma, faisons un effort véritablement pour que jamais nous ne puissions condamner un pays parce que ce pays est en train de nous agresser. Nous sommes un trop grand pays pour continuer à nous plaindre. Aimons-nous les uns les autres, encourageons-nous mutuellement et vous verrez que nous laisserons à nos enfants un pays dans lequel il faudra bien vivre. Le mimétisme, on en a assez, nous sommes suffisamment intelligents comme ça pour faire autre chose. Monsieur l'abbé. C'est Maître Magala qui veut parler. J'étais inquiet. Non, bah oui, en fait, on se retrouve avec ce que vous dites en plein 21e siècle, mais on en est toujours à la cueillette. Oui. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que le foumbois, personne ne le cultive, il pousse. Pourtant, un des principaux légumes de cette ville ici, ou de l'Ouest. Les Fumbo, on ne les connaît pas à l'Est. Mais comment voulez-vous qu'on intègre la communauté internationale si le pays lui-même n'est pas intégré? Il paraît que le meilleur Fumbo, il est au Kassai, Mais est-ce qu'ils savent que ça se mange? Non. C'est ça, on doit intégrer le pays. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous savez, aujourd'hui, un des principaux pays demandés par notamment la Goa, c'est le fromage de Goma. Mais quelle est la norme du fromage de Goma? C'est-à-dire que c'est, quand vous entrez dans un supermarché, c'est les produits que vous trouvez cabossés, sans forme, il n'y a pas de code barre. Vous ne savez pas il y a quelle quantité de sel. C'est un fromage que j'aime, mais il est produit. Il est produit à l'état brut. Il n'y a pas que ça. On peut même se développer sur base de piments. Nous avons les piments les plus demandés de la terre. Oui, demandés en Chine notamment. Partout. Mais on a même pas une petite PME qui travaille sur les piments. C'est-à-dire, les mamans, elles récupèrent les bocaux de mayonnaise, elles nettoient, elles mettent dans le sac. Ça, ce n'est pas exporté. Ça, c'est développé. En fait, ça n'entre même pas sur le marché américain, parce qu'on vous les laisse dans le ghetto, comme ça vous vous empoisonnez vous-même. Il n'y a aucune norme. On fait ce que Maman Moussekatia qui. C'est fini. Donc, je ne parle pas de cuivre et de cobalt. Je parle des produits de PME. Mon cher, parce que vous avez parlé du piment. Aujourd'hui, les Chinois, le président séjourne en Chine, aujourd'hui, les Chinois réclament du piment congolais. Il y a un certain nombre de compatriotes qui sont en train d'en cultiver dans le Bas-Congo. Je les encourage. Eh bien, on en demandera. La Chine est grande. Si nous nous employons à faire cela, nous allons enrichir notre pays. Et c'est sûr. Sur des petites choses. Mais comment? Moi, j'ai un ami, l'ambassadeur de Chine, il me l'a dit. Mais il n'y a pas que ça. Comment voulez-vous que nous avons des supermarchés
pleine d'oranges importées. Mais nos oranges pourrissent dans le Congo central. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est prendre les camions, aller cueillir et amener. C'est un produit local, donc il doit être préféré au produit. Oui. C'est ça. Même s'il n'est pas bon, on peut l'améliorer. On peut l'améliorer, mais vous avez au sud Kivu les oranges sans pépins. Des oranges sans pépins. Mais c'est vendu où? Ça pourrit. C'est-à-dire, nous-mêmes, on décourage. Il est à table, il dit c'est quelle orange? Ça vient d'Afrique du Sud, oui, parce que vos histoires là du Congo. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Avec ça, nous allons nous sous-développer. Nous sommes en voie de sous-développement. On refuse les développements. Aimons-nous, aimons nos produits. En tout cas, cette émission, je voulais qu'elle soit provocatrice. C'est pour ça que le titre était celui-là. Congolais, Natuniyo, est-ce que Milingi? Est-ce que Olingi Moninga Nayo? Est-ce que Olingi Congo? Ce que Olingi Congo, banda déjà pour changer mentalité. Ah, et outi potote, et outi potote, mais outi awa. Nous avons un grand couturier. Mais qu'on n'encourage pas. Il fait des belles. Comment il s'appelle? Okasol. Oui. Oui. Okasol. Vous savez, il y a des grands couturiers dont nous portons, mais moi-même, les habits, qui est venu ici, qui a visité les locaux, les machines. Il dit à l'occasion, mais vous savez que je ne suis pas encore à votre niveau. Mais ce n'est pas possible. Monsieur l'abbé, oui, il nous reste 5 minutes. Oui, mais et là, je voudrais insister et aller plus loin. On a parlé des oranges, mais je vais aller beaucoup plus loin. La transformation de ces oranges. Je vais donner un exemple. J'étais dans un coin où j'étais curé, n'est-ce pas, un célèbre, pour ne pas citer. Eh bien, tu vois, dans presque toutes les parcelles, il y a des manguiers. Il y a des manguiers. Avec les mangues, on peut faire de la compote de mangue. Avec des mangues, on peut faire la confiture de mangue. Avec les mangues, on peut faire du jus de mangue, n'est-ce pas? Ainsi avec les oranges, avec d'autres fruits, n'est-ce pas? Mais comment voulez-vous expliquer que des enfants meurent de malnutrition pendant que dans leur parcelle, il y a des mangues, il y a des oranges, il y a des papayes, il y a toutes sortes de fruits, n'est-ce pas? Qu'on peut transformer, n'est-ce pas? Qu'on peut transformer. Eh bien, moi, je crois que nous avons un sérieux problème. Oui, d'aliénation. Un sérieux problème d'aliénation mentale. D'aliénation mentale. Qui fait que je préfère acheter le jus d'orange fabriqué en Afrique du Sud ou fabriqué je ne sais où. En Inde. N'est-ce pas, en Inde ou, bon, je ne sais pas, ou ailleurs, n'est-ce pas. J'achète le jus de fruits alors que ici les fruits, comme on disait, pourrissent. Mais il n'y a aucune usine de transformation, n'est-ce pas. Et ce que nous devons, on prend les fruits, mais on peut aller plus loin. Transformation de nos minerais. Transformation de nos minerais pour que nous ne dépendions plus de l'extérieur. Mais on va dire, oui, mais ils ne vont pas nous autoriser, ils ne vont pas nous laisser faire. Il ne s'agit pas de demander une autorisation à qui que ce soit. Pour que tu transformes les produits de ton pays, tu dois demander l'autorisation à qui? Aux Belges, aux Français, à l'Américain? Commencer tu déjà. Tu le fais. Un point, un trait. S'il vient t'interdire de le faire chez toi, en ce moment-là, Bitume Bandi. C'est exactement ce que je disais en commençant l'émission. C'est ça le ruissellement des richesses. C'est-à-dire, vous avez parlé de cuivre, vous avez parlé de jus, vous avez. C'est ça, c'est-à-dire que nous devons, pour ce faire, on doit se mettre ensemble. Vous savez, on est sur une avenue. Toutes les maisons ont un manguier. On ne peut pas chacun bouffer ses mangues et puis c'est fini. Bon, ok, on s'est dit, on récolte quand? Comme ça, on a une tonne de mangues. Ok, qu'est-ce qu'on en fait? Non, on peut se mettre ensemble avec 100 $, 100 $, 100 $. On fait une petite presse pour les mangues. On a nos jus. C'est ça, le développement. Parce que nous, on prend encore notre cuivre, on l'amène en Chine pour qu'il soit transformé. C'est pas possible. En fait, c'est lui qui crée
les services annexes, c'est lui qui gagne plus que vous. Parce que le cuivre en lui-même, c'est rien. C'est la transformation du cuivre. C'est la valeur ajoutée. C'est sur ça qu'on doit travailler. C'est-à-dire, vous avez les oranges qui fournissent les caramboles. On doit travailler sur ça, la valeur ajoutée, créer de la richesse à partir d'une activité principale. J'ai l'impression d'ailleurs que vraiment nous prêchons dans le désert. Il y a quelques années, un de nos amis qui nous a quittés, Manara, disait, vous savez, nos bois sont en train de partir en pleurant, ils nous disent au revoir et nous avertissent. Oh, je pars, nous partons, mais quand on vous reviendra, on vous reviendra encore plus cher. Pourquoi vous nous laissez partir comme ça? La valeur ajoutée. Moi, ma campagne électorale, c'était sur ça. On ne m'a pas compris. Certains m'ont compris. Merci. Mais c'est comme ça que commence le développement. C'est là même qu'il faut insister sur... Vous savez, quand vous parlez de bois, le bois, quand il part, on le travaille. Le meilleur bois, les meilleurs articles restent là-bas. Oui. Ce qu'on nous amène ici, ce qu'on achète ici, dans les... c'est de la poussière de ce que nous... Mon cher après qu'ils aient travaillé, ils compactent la poussière. Voilà. Mon cher ami, vous voulez que je vous dise, il y a un ami qui a eu, comment on appelle ça, dans son lit, il y avait la punaise de lit. Ah ben, il a la punaise de lit et... On a acheté ensemble ces lits-là à Dubaï. Il dit à sa femme, non, verser de l'eau chaude sur le lit. Et tu sais, ce lit-là, c'est... Mais il va gonfler. Et puis c'est tout. Ce n'était pas du bois noir. Voilà, voilà. Mais, et ça, c'est grave. Vous savez, merci pour cet exemple. J'ai été au Zimbabwe. Vous avez une minute. J'ai été au Zimbabwe il y a quelques années, n'est-ce pas? Et j'ai été logé chez un professeur. Qui n'est pas africain, c'est un anglais, hein, parce que là-bas, ce sont les anglais. Mais ce qui m'a frappé, c'est que dans son salon, dans sa maison, tout est zimbabwéen. Tout est zimbabwéen. Donc, son salon, ses meubles, tout est de Zimbabwe, rien de l'extérieur. Très bien. Alors, il m'a expliqué en disant, ici, nous consommons Zimbabwe. Très bien. Et pourquoi nous autres, nous préférons le salon Louis XV ou Louis XVI ou Louis XIV? Mais fabriquons Louis XIV ici. Eh bien, il y a là un problème, comme on l'a dit et on ne cessera de le dire, un problème de libération de l'esprit du Congolais. Merci, monsieur. Et la vision, comme disait Maître Magala, eh bien, la vision, ça vient d'abord d'une libération. Quand on est libéré, l'esprit est libéré, en ce moment-là, on peut développer une vision et avoir des objectifs et s'organiser pour atteindre ces objectifs. Merci, monsieur l'abbé Pondou. Merci, Maître Magala. Cette émission, vous pouvez également la suivre sur X, sur tous les réseaux sociaux. Merci et surtout, sachez que nous reviendrons là-dessus parce que vraiment, on est fatigué. Hein? Maintenant, on va taper dessus. Celui qui sentira mon reveu n'aura qu'à se moucher. Merci et dans 15 jours.